Non, je vois rien de suspect. Ah bon? C'est sûr? Vous avez des enfants? Bah oui, j'ai une fille de 14 ans. Non, bah voilà. Quoi? C'est ce que je craignais. Vous êtes allergique à votre fille. Vous êtes sûr que c'est pas des poux? Ah non, non, c'est pas des poux. Je vous souhaite que l'adolescence ne soit pas héréditaire. Merci. Oh. Mais Lila, qu'est-ce que tu fous? Tu vas être en retard à l'école? J'y vais pas, je fais grève. J'irai à l'école si tu me laisses sortir vendredi soir. Je reste zen. Alors bonne journée, Lila. Attends, t'es bien sortie, toi. Bah oui, mais c'est pas une raison. Maman, c'est ma vie qui en dépend. Et tu sais que je suis raisonnable et que tu peux me faire confiance. Surprise. J'ai 14 ans avant toi, tu montes. Si j'étais toi, je serais vigilante. Une ado en colère peut être imprévisible. Tu sors? Ouais. Avec qui? Tu rentres à quelle heure? Tu te fous de ma gueule, là? On parle de ta fille ou on danse d'abord? De merde, de gosse gâtée pourrie. C'est ton nouveau téléphone. Tiens, il n'est pas tactile. Hein. Faut appuyer sur les touches. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Tout est sous contrôle. Y'a pas de problème, je gère. Mais qu'est-ce que j'ai foiré? Qu'est-ce que j'ai foiré? Je m'étais juré d'être différente de toi, maman, de faire autrement, mais regarde-moi! Jusqu'à quel âge il reste ado? Parce que moi, j'en peux plus. Vous savez, moi aussi, j'ai une adolescente à la maison. J'ai beaucoup de chance, ça se passe extrêmement bien. Tout va bien ici? Oui. C'est pas ce que votre fille nous a dit. Quoi? Tu veux pas que je la prenne chez moi, hein?